Et yo tout le monde, yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite, but non je rigole, sur Minecraft. Le dernier épisode, il y avait Ethan, voilà ce bougre Dan, il est parti sur FIFA. C'est pas grave. Donc on s'était laissé sur ce bâtiment-là, et non je rigole, c'était sur celui-là. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait les deux. Bon, voilà, un qui est plus stylé que l'autre. Mais celui-là n'est pas fini, et en vrai j'avais la flemme complètement de le finir. Donc c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va passer à une chose qui me hype complètement. Ça va être... Je pense que je vais faire deux trucs, vous allez comprendre. Voilà. Je pense que vous avez compris, le wooden coaster arrive. Les gars, vous êtes pas prêts. On va créer une singerie. Déjà, on ne va pas commencer par la gare. On va commencer par une première boss. Car vous inquiétez pas. Tout simplement. Ok, on va faire. Déjà, on va commencer à cette hauteur à peu près. Tac, tac, tac. On va pas faire quelque chose de simple. Non, moi je vais vraiment faire un truc vraiment épuré comme première attraction. Si on y passe 14 épisodes, on y passera 14 épisodes. C'est papy qui rigole. Tac, nickel. Tac. Ça va être énormément de réflexion, les gars, ça. Ça va être un bordel de réflexion, si je puis me permettre. Mais vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de clean. Mince. Ok. En gros, vous allez voir, comme je vous l'ai dit plus, enfin comme je vous l'ai dit précédemment, ça va être un bordel, notamment sur les piliers, car il y aura trois couches de piliers, car ici on fait les choses bien. Donc, alors attendez. Oh merde. Ok. Ça va être long, je vous le préviens tout de suite. Mais ça va être pour la bonne cause. Ok. On va faire une dinguerie, les gars, parce que en fait, je veux écrire. Je vais pas écrire bienvenue parce que c'est super long. Du coup, je vais marquer hello ou welcome. Je pense que je vais marquer welcome. Là, vous comprenez peut-être pas ce que je dis. Tu dois te dire derrière ton écran, toi, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce cafard? Vous inquiétez pas, les mecs, je gère le sujet. Je vais tout simplement écrire welcome. Ah bah, Ethan qui a déjà changé de jeu, c'est passé vite. Je vais tout simplement écrire welcome sur les. Sur les. Bah là-dessus en fait. Et vous allez voir, ça va rendre super bien. On va vraiment faire un monstre de bois, si je puis me permettre. Donc déjà, est-ce que. En vrai, c'est assez haut, mais c'est pas encore assez haut. On va bien monter de toute façon. On n'est même pas encore à la moitié du chemin, donc on va pas encore bien monter. Mais en gros, la gare va partir par là. En vrai, par là, je pense. Tout au bout là-bas. Première boss. Boss virage. Elle va arriver sur cette boss. Et en fait, je pense que celle-là, ça va faire une boss. Et après, ça va faire une double boss. En gros, ça va faire une boss. Ça va redescendre, ça va faire une boss, ça redescend un tout petit peu, une deuxième boss, ça redescend encore un peu. Ou une triple boss, on s'est compris. De toute façon, vous verrez quand je vais construire. Si je vous l'ai dit, les gars, ça va être vraiment le plus gros projet du parc pour moi, parce qu'en vrai, il n'y en a pas eu de gros gros projets. Sachant que déjà, l'attraction qui est là-bas. Attendez, là-bas, nous avait déjà pris
semble, un peu plus de 3 épisodes. Alors qu'elle n'est pas du tout finie, les gars. On n'a pas encore fait la gare et ça. Je commence déjà une autre attraction. Je fais les choses dans le mauvais ordre. Bon, après, ça changera pas de moi. Mais... T'as l'habitude. Vous inquiétez pas, je gère. Vous inquiétez pas, les gars. Papy, il gère. Tac. Vous allez voir, les mecs, quand je vous dis... Je vais pas me tromper sur le mot monstre de bois, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez même pas pour ma part. Sachant que... voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Et t'as qu'à cacher la manette sous son maillot pour moins que ça fasse de bruit. On respectera ce brave être humain. Qui a joué à FIFA pendant l'espace de 15 minutes. Pas plus. J'ai fait 2 matchs. Ouais. Allez. On va s'accorder ça. 2 matchs. Il est bon. T'es sûr que tu veux pas venir m'aider? Non. C'est des crayons. Ouais, ok, Ethan. Tac. Normalement... Au moment où je vous parle, la première vidéo est sortie, la vidéo de lundi. Bah du coup, normal, je suis lundi. Normalement, elle vient de sortir à la... Quoique, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, il reste 3 minutes. Donc, elle n'est pas encore exportée de Filmora. Mais voilà. Donc, il en reste encore 1 à 2. C'est bizarre ce que je dis, mais moi, je me comprends, donc tranquille. Et les mecs, vous êtes pas appris de ce que je vais faire, hein, vraiment. En fait, je pense que je vais faire, c'est que je vais placer les boss. Et après, je ferai le raccordement plus tard. Mais je vais d'abord placer les boss. En vrai, là, les gars, là, on tient une petite boss sympatoche. Hein. Une grande boss sympatoche. Les mecs, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous en bouche un coin? Là, j'ai envie de vous dire que là, là c'est une construction de cafard, les gars. Construction miteuse. Une construction de Suisse. Une construction de Suisse. Si tu le dis, Ethan. Construction de Suisse. Oh là 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 là. Donc, voilà. Ça va être ça tout le long, les mecs. Hein. Poser des barrières. De temps en temps poser des cubes, mais très rarement. Vous inquiétez pas. Et poser des rails aussi. Et poser des rails. Non, les rails, je pense que je vais le faire à la fin. Ou je vais le faire maintenant, en fait. Ou un peu. Ou ouais, maintenant. Ou plus tard. Ou maintenant. Mais bref. On posera les. Hey, j'ai envie de vous dire, les garçons et les filles. On posera les rails quand on posera les rails. Voilà. Parce qu'on va pas se prendre la tête à savoir quand on va poser les rails ou je sais pas quoi. On va poser les rails quand on posera les rails. Quand on aura fini déjà cette boss, qui est presque bientôt finie. Bien sûr, les amis, hein, parce qu'on va pas croire que c'est bientôt fini. Parce que en vrai, là, la première boss est déjà quasi finie. Il reste plus que les barrières, plus qu'à écrire welcome, et c'est réglé. Hein. J'ai essayé de siffler, la plus j'ai pas réussi, donc c'est parfait. Donc, tac. Donc, là que vous êtes là, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et votre abonnement, même si pour le moment c'est pas très fructueux comme on dit. J'ai pété un câble. Donc voilà, même si pour le moment vous êtes là, je vous vois en travers votre écran, vous êtes pas très, là, vous êtes pas convaincu du délire, quoi. Ah bah t'es sur un échafaudage quoi. On peut même pas y aller avec une moto. Mon petit frère qui est content parce qu'il est sur un échafaudage. Bref, c'est impossible en fait d'aller ici. Ça va être long. Le nombre de fois que je vais dire long, il va être fou. Mais voilà. Non, mais je crois que ma touche est là. Ok. Oh, le chargement est fini. Ce qui m'arrange. Oh, je vais plus faire pour coincer la moto. Donc,
Et les mecs, je vous propose un truc. Moi, je vais faire une petite pause. Je vais aller mettre la vidéo sur YouTube. Et pendant que ça charge, je vais terminer cette boss. Donc, je fais encore deux rangées. Une rangée. Ça va être long parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est trois couches. Et voilà. Deux rangées. En vrai, c'est vraiment un mastodonte, les mecs. Je sais pas qu'est-ce que quoi vous en pensez, mais les gars, je pense que là, quand il y aura marqué welcome, ça va chier des lardons, si je puis me permettre l'expression. Ok les mecs, en fait c'est de ma faute, j'ai un énorme trisomique. En fait, faut juste attendre le chargement. J'ai jamais fait de vidéo sur YouTube, alors que ça va être ma 76e, mine de rien, ça monte vite. Et puis voilà. Et mine de rien, on est déjà au 10e épisode sur cette série. Et est-ce que vous avez vu une série où en 10 épisodes, c'est aussi avancé que ça? Il y a moyen. Mais c'est quand même bien de souligner la perf du genre français, comme on dit. Hein. Parce que là, les potes, mine de rien, on est une ville pas piquée des hametons. Les Suisses. T'as un problème avec les Suisses. Bref. Tac. Tac. Les gars, c'est très chiant, mais je compte bien laisser ça au montage. Dans le projet de vraiment que vous puissiez, si vous le souhaitez, recopier exactement la même attraction pour dans votre parc, si ça vous fait plaisir et si vous aimez bien vous embêter pour rien. Je rigole comme ça, je sais pas, je rigole aléatoirement les mecs, hein, c'est ça, faut le savoir. Et bah au moins vous pouvez la reproduire, même si c'est super chiant, et ça on va pas se le cacher. Tac. Après, j'ai envie de vous dire, personnellement je trouve ça un minimum intéressant, parce que du coup voilà, ça permet de parler des sujets de discussion. Et puis moi en vrai je m'en fous, dans tous les cas je construis ça, donc que ça soit filmé ou non, moi ça me change pas grand chose. Mais voilà, donc voilà, vous voyez que déjà c'est une construction de type aberrante. Mon Suisse. C'est une construction de type aberrante, mon Suisse. Oh, Ethan, t'abuses. Voilà, voilà, donc on est d'accord que cette vidéo sortira mercredi, techniquement. Mercredi, s'il y a moyen que je la sorte pour 16h, ça me ferait plaisir. Comme ça, tac, vous tapez votre petit goûter en regardant cette vidéo. On tape le petit goûter des familles. On regarde la petite vidéo du papy. Puis on passe une bonne journée. Papy. Je sais pas, c'est exactement la même chose qu'avec ton Suisse. Non. Si. Je te jure que si. Le Suisse, c'est mieux. Oui, bah oui. Suisse, au moins, c'est un bref Suisse. Je vais répéter un mot que j'ai dit au moins peut-être 750 fois dans cette vidéo. Ça va être long. C'est long. Ça va être long, mais Suisse. Oh là là. Et ben pour un motif, ah là c'est long pour papy là. Voilà voilà. C'est long long long. Mais je trouve que c'est un petit peu satisfaisant. Un tout petit peu. Hein. Rien du tout satisfaisant. Vous affolez pas. C'est un petit peu satisfaisant, j'ai envie de dire. C'est chiant. Long. Alors ça, mon pote, ça reste dans la vidéo. J'espère qu'on entend bien. J'espère que le micro est d'assez bonne qualité pour entendre le tape qui vient de lâcher mon frère. Parce que celui-là, mon pote. Ça va bien, mon Suisse. Ça, mon Suisse, c'était un peu le type marécageux. Oh le con. Ah, j'en ai marre. Oh, mais à chaque fois que je conduis une seule fois une moto, faut tout le temps qu'il se passe un caca. Voilà, voilà. Bah, comme le petit qui vient de lâcher, mon Suisse. Ouais, oh là là. Aberrant, frérot. C'est du gros P. Ah bah ça. C'est du gros P, mon Suisse. C'est du gros P, mon Suisse. Donc, je sais pas, le welcome, je l'écris en comment. Oui. Je pense que je vais l'écrire. Moi, tu l'écris en bloc.
Je vais écrire en black. Non, en bloc. En bloc. J'ai compris en black. On va commencer là. Oh, j'ai fait un slide. Ah oui, oh, ça va peut-être être un peu gros ça, mon Suisse. Hein, ça va peut-être être un peu gros ça comme W. Attends. Oh oui. Oh bah oui. À mon avis. Tiens, allons voir mon ancienne moto que j'ai bloquée sur le truc là. Oh là, mon Suisse. Bah, elle est plus là. Non. C'est toujours trop gros, hein. C'est une dinguerie. Les gars, je sais pas trop. Ah ouais, mon Suisse. Ça beurre un petit peu. Bah, j'aurais pas dit mieux. Eh, mais regardez. Eh, je pense pas qu'un con y aurait pensé à celle-là. Hein. Ah bah oui. Là c'est pas mal les méga en vrai, je pense. Tac, du coup un L, un C, Suisse, un petit Suisse, un O. Oh. E. J'ai fait sans mettre de glissade, j'aurais été sur les pieds. Elle est où la moto Suisse là? Allez, là. Le O, le M, bon, je te mets comme un Suisse. Je crois que c'est comme ça s'écrit. Et le E aberrant, miteux le E carrément en Suisse. Wow, j'ai envie de te dire. Il est aberrant quand même. T'as même pas vu? T'as même pas regardé. Le mec, il a même pas regardé, il me dit ouah, wow, aberrant frérot. C'est rugueux. Oh là là. Toi t'es vraiment un mec de type aléatoire. Oh, c'est clairement pas centré, c'est dégueulasse. Mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour d'un Suisse. Ah mon Suisse, celle-là. Mais en vrai, si c'est un peu. Non, c'est clair. Non, bah non, qu'est-ce que je raconte. Mais ouais, j'ai envie de dire voilà quoi. Ça suffit bien. 0 sur 10. Oui, je dirais sur une maison. Mais Ethan, t'as même pas vu ce que j'ai fait. Si, si, j'ai vu. C'est vite. Avoir un bon petit frère, c'est quoi? Ça, c'est pas moi. Bah, ça, j'ai remarqué. C'est long. Attends, tu viens de le répéter 6 fois le c'est long d'affilée. Et là, hop là, attends, attends, parce que mon Suisse, je crois que si je me trompe pas, tu voilà, la pire des façons de vous escalier avec une moto. Allez, mec, c'est chiant. Je vous dis pas le contraire, mais c'est une construction suisse, mais c'est une construction de type aberrante, une construction de cafard. Tac. Et ça dépend de combien de temps la vidéo est, mais on va peut-être s'arrêter là. Ça dépend, je prédis rien, parce que pour moi en vrai ça fait peut-être 20 minutes qu'on est en vidéo, alors que ça se trouve ça fait que 2 minutes et demie, mais je pense pas, parce que à mon avis voilà, un peu plus. Mais bon, écoutez. Quoi? Après, il faut que j'aille sortir la vidéo pour lundi. Ouais, parce que vous l'avez déjà vu, mais moi, je
l'ai pas encore. Je viens de finir de la monter là, juste avant de tourner cette vidéo. Et ouais. Et mine de rien, je l'ai pas encore vu. Enfin, je l'ai pas encore sorti cette petite vidéo. Vous connaissez le titre sûrement, mais moi, que dalle. Tac. Et oh. Voilà. What? C'est carré, je regarde juste. Attends, mais ça fait deux fois que la moto a tourné droite. Ouais, 21. Bon, les gars, on va s'arrêter là. En vrai, on aura fait une bosse dans cette vidéo. C'est tout. C'est pas grave. Prochaine vidéo, je pense qu'on s'attaquera à la grosse bosse en virage. Et en vrai, déjà, ce sera pas mal. Mais je voulais rajouter, attendez. Parce que ça manque... ça manque de détails parce que mine de rien en vrai ça tient pas debout comme ça un aussi gros édifice si je peux me permettre le terme. Et puis voilà, concrètement après c'est tout. Voilà. Vous permettez, je vais faire un stunt sur votre voiture. Ok. Et que dans GTA tu peux dire cette phrase. Oh. Je vais faire un stun sur une voiture de police, ça va être drôle. Hashtag chemin du fait arrêter, hashtag je suis en prison. Hashtag t'es pas drôle. Bref. Je ferai ça plus tard, de l'autre côté. Histoire de dire que c'est un peu plus solidifié. Après je pense pas que c'est avec les trois pauvres trucs que ça va solidifier quelque chose de plus. Dans cette énorme boss. Dans cette énorme bunny-up ou dans cette énorme boss. J'ai perdu le terme technique. Bref, il me semble que là on a airtime. Je suis pas sûr, mais ça dépend à quelle vitesse on la prend. Mais pour moi, il y en a. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est la même chose, hein. Tous les épisodes c'est pareil, je vous le répète. N'hésitez surtout pas à le faire, ne soyez pas timide, ce serait dommage. Mais du coup, on va se retrouver pour vendredi, tout simplement, pour continuer cette boss. Enfin, pour du coup, cette boss est terminée. Mais pour faire une autre boss, notamment la boss où on part comme ça et on atterrit. Bon, enfin, 90 degrés, quoi, on fait un virage, mais en hauteur. Bref, n'hésitez pas, du coup, à faire tout ce que je vous ai fait. Et sur ce... Je vous laisse avec, du coup, cette magnifique boss avec le marqué Welcome complètement sur le côté. mais sinon, je vous dis... Complètement construit par un 6. Complètement construit par un 6, j'aurais pas dit mieux. Sur ce, ciao.